Bonjour à tous, et bien hier le Club France a enfin retrouvé le sourire dans cette seconde semaine des Jeux Olympiques, entre l'envol de Renaud Lavillenie dans le stade olympique et la victoire de nos experts qui 4 ans après Pékin joueront une deuxième finale des JO. On a vécu 30 minutes de folie au Club France. Renaud Lavillenie qui succède donc à Jean Galfione et à Pierre Quinon sur le toit de l'Olympe du saut à la perche français. Quoi de mieux donc que de retrouver hier soir le champion olympique d'Atlanta pour évoquer les 5,97 m de celui qui s'entraîne à Aubière. Je suis content que ce soit lui. On a attendu un peu longtemps, 16 ans, hein, mais à la fois les disciplines qui ont jamais eu de champion olympique. Nous, on a une vraie tradition, une vraie école de perche en France et qu'il y a eu Pierre Quinon qui nous a quittés l'année dernière. Il y a Renaud maintenant, 16 ans après moi. Je suis super heureux pour la perche française, pour lui. Je l'ai félicité, on est tombé dans les bras et puis je lui ai dit juste bienvenue au club parce que Pierre Quinon m'avait dit bienvenue au club 16 ans avant et qu'il savait que j'allais lui dire ça et que c'était un petit clin d'œil, un petit jeu entre nous. Ce soir, tous les yeux seront tournés vers le ballon orange et le match France-États-Unis pour écrire ce qui pourrait être la plus belle page du basket français. On a un peu demandé autour de nous, les Français croient-ils en un improbable exploit? Ils n'ont plus rien à perdre. Quoi qu'il arrive, ils ont une médaille et c'est ce qu'ils venaient chercher. Donc si c'est de l'or, ben c'est super, c'est extraordinaire. Mais quoi qu'il arrive, elles seront contentes. Donc ils y vont vraiment très très cool. Je pense que c'est pas réalisable, c'est tout. Ça va être compliqué. Ça va être un peu compliqué. Ça va être dur, mais bon. Les États-Unis, c'est quand même la grosse équipe du tournoi. Si on se dit absolument qu'il faut gagner une médaille d'or et autres, ça peut jouer petit bras et ainsi de suite. Moi, je vais m'abstenir de tout pronostic. Victoire de la France. Au buzzer. Donc, c'est difficile, je crois. Par mon travail professionnel, qui en tant que sponsor, Caisse des Dépôts d'Emlénendongué, je serai à fond derrière elle, mais je parierais bien pour elle. De notre côté, on est peut-être inconscient, mais on y croit dur comme fer face aux Américaines, invaincues depuis 20 ans aux JO, soit la deuxième plus longue période d'invincibilité de l'histoire des Jeux, tous sports confondus. Alors si miracle a lieu, qu'est-ce qui ferait plaisir à nos filles? On parle tellement pas beaucoup de nous que juste une présentation. C'est-à-dire nous en s'enlaçant toutes les unes avec les autres et mettre juste l'équipe de France féminine de basket.